Regard. José Fortin, Saja, la fée papillon et le partage de la beauté. Je veux partager cette beauté-là, ce bonheur-là, cet émerveillement-là. C'est ça que je veux. Je veux l'avoir moi, mais être capable de la donner tout le tour. Cet artiste peintre habite au pays de l'émerveillement, dans le village de Sainte-Rose, au Québec, au carrefour de la rêverie et du bonheur. Tournez à gauche et vous verrez une véranda où loge l'enfance sur toile. Des œuvres nostalgiques remplissent son atelier de souvenirs. Bien qu'une certaine tristesse tamise certaines œuvres, l'harmonie et la sérénité vous recevront. José Fortin vous offrira du bonheur sur toile. Je vous présente ma petite fille Élodie. J'avais envoyé des bulles d'amour. Au lieu d'un, c'est un baiser, mais c'est des bulles d'amour. C'est comme ça que ça s'appelle, bulles d'amour. Je découvris sur les murs de la véranda une autre image. L'enfant d'une amie, Jolène. C'est ça, sa petite bête est un petit peu triste, mais c'est un petit peu Jolène, là, comment elle était petite. Un moment, j'ai cru qu'il s'agissait d'un autoportrait. Mais je savais pas, je faisais des toiles qui me ressemblaient. J'étais une adolescente, une enfant, une adolescente triste. La peinture procure des moments de bonheur, comme celui-ci. Regarde. La petite voisine d'en face, Sarah Jane, se découvre dans Saja, la fée papillon. Ben c'est ça, regarde, il va y avoir d'autres petits papillons, là, en communion avec toi. C'est vraiment beau. T'aimes-tu tes ailes? Ouais. Merci. Je veux créer un monde qui va transparaître dans mes toiles. Puis ce monde-là va m'apporter de l'émerveillement. Je vais pouvoir m'émerveiller devant, mais je veux que les gens qui vont voir cette toile-là aussi, ça leur fasse de la chaleur à l'intérieur, que ça réchauffe le regard, l'âme, les cœurs là, de ces gens-là aussi. Là. Et je voudrais communiquer aux gens quelque chose de beau, quelque chose de rassurant. Une œuvre intitulée « Samy » pour Samuel, l'un de ses 5 petits-fils. Au fil des saisons contrastées du Québec, José Fortin est toujours en quête de magie, dont celle qui émane du regard des enfants.